Viens François, super. Tu le rattrapes tranquillement en fait. On va doubler si tu veux. Quand il sera sorti. C'est bien, ouais. Ouais, tranquillement dans l'eau. Thank you.
poignet du coup. Ouais, si on pouvait être proche. Ça sent bon la maison ? Ça sent bon là ! J'arrive à sortir Monique d'ici, tu vois ? Thank you.
Ça c'est cadeau là, les canons à eau là. C'est ouf, quoi, c'est ouf. Rien que pour ça, ça va être censé une tour de galère. Hein. Ouais, viens, une petite touche dessous. Tu l'as fait pour vivre ça? Hein? Tu l'as fait pour vivre ça? Repos. Thank you.
Pour la godille. Par contre, on le veut tout seul un peu, s'il vous plaît. Ouais, merci. C'était une belle image, mais on en a besoin d'autres. On est en trop, là. Mais non, mais non, c'est pas bien, ça. C'était bien. C'est parfait. Je vais pas mettre sur les cailloux à la suite, pas d'arriver.
toi. Ouais. C'est la tour. Ah. Merci les gars, c'est cool. J'ai vu ton bateau. Et là t'arrives, c'est grâce à la tête ou au corps là? Tu vois? C'est, si t'arrives au bout là, c'est dans la tête ou c'est les bras qui font? Dans la tête, 70-80% ça se passe dans la tête. Ouais, vraiment. Et comment ça? Ah, après, faut avoir un minimum de condition physique quand même, tu vois. C'est bien, ça juste le tout, quoi. Tu conseilles ça à tout le monde? Bah, tout le monde, je sais pas, mais ouais, c'est chouette. Tiens, il est à bord là. Si quelqu'un veut le récupérer. Comment tu as fait pour garder l'optimisme tout le temps? Parce que normalement, il y a des moments de déprime quand même. J'entends pas. Comment tu as fait pour garder ton optimisme tout le temps? Bah, de toute façon, c'est comme ça. Et puis t'as pas le choix. Donc, à un moment, faut y aller, quoi. Tu pars dans quelque chose, tu vas jusqu'au bout, sinon tu vas pas. Et tant que moi, physiquement, ça allait, bah voilà, je me suis battu. Et j'ai essayé de rester optimiste, même dans les moments les plus compliqués. Enfin, ça n'a pas été évidemment toujours simple. J'ai eu des moments de mou, mais ça ne durait jamais longtemps. Vraiment. C'est quoi l'image que tu retiens là tout de suite? Cette traversée? Dur. Dur. Fabuleux. Mais honnêtement, j'espère pas vivre quelque chose d'aussi compliqué une deuxième fois dans ma vie. Vraiment. Mais bon, l'aventure commence quand les problèmes arrivent. Sinon, c'est pas rigolo. Et là, qu'est-ce que t'attends de l'arrivée à Brest là dans un petit quart d'heure? Qu'est-ce que t'attends? Bah, je sais pas, la nourriture, elle fait cool, quoi. Les gens avec le sourire. Et ça fait plaisir. Merci. Là, elle est pas loin, je suis derrière, la nage. On s'éloigne un peu.
arrête là, pour des guerres de douf. Les gens derrière. Et là, on est en plein contre-courant. Ouais, peut-être un peu la foule. Si tu veux le mettre juste là, on reste à court, à couper à lui. On suit tranquillou. Ouais, de ce côté-là, au niveau de la digue. Ouais. Personne ne te regarde, t'inquiète pas. Hey!
On va au ponton. Attends, Ben, c'est bon pour toi, on va au ponton. C'est une question. Non, ben moi je préfère. Enfin, moi je suis en direct. Donc, ah oui. Attends, question. Ben, est-ce qu'il est en direct? Ben est en direct. Après, quand il faut aller au ponton, il faut aller au ponton, mais n'allons pas trop tôt au ponton. Ok, on reste un peu. Question d'arrière. Nous allons retrouver Guirec sur le ponton pour quelques mots publics. Ah oui, ah d'accord. Je vais essayer.
Alors c'est bon. Vas-y. De toute façon, le vent va nous plaquer. Tu restes là et tu le bateau ou pas? Bah, je reste juste là jusqu'à ce qu'on dise que. Parce que moi, j'ai mis mon... j'ai laissé mon sac là, je vais le prendre du coup. Je gère mes affaires, Christian. Ouais, tu prends un sac à dos? Oui, je prends un sac à dos. Et le micro? Il est vraiment
c'est génial, quoi. C'est génial. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette traversée, quoi. Arriver sur mes terres et être reçu comme ça, là, mais... Que d'émotion, mais... Je suis passé par tellement de choses. Franchement, c'est un miracle que je sois là, avec mon bateau, c'est un miracle, vraiment, quoi. Je crois que j'ai... J'ai une bonne étoile là qui m'a guidé, hein. Ouais, oui, j'en ai plusieurs, ouais. C'était le seul moyen que vous aviez d'ailleurs, hein, l'étoile. Ouais, les, ouais, j'ai, enfin, c'est, ouais, c'était, c'est. Jamais ça. Ouais, ça va. Toi. Petite T'es pas ma mère, hein. Non, mais c'est vrai que, ouais, ça a été dur, ça a été dur. Dès le début, contre courant pendant 2 semaines. J'ai ramé jusqu'à 24h, 19, 20h par jour. Ça va vous? Oui. Mais non, mais en fait, il y a tellement de choses à dire que c'est pas dit. Par quoi commencer, quoi. Et il s'est passé beaucoup de choses pendant cette traversée. Le truc le plus compliqué, c'est en fait le moment où j'attendais une tempête tropicale. J'étais à l'intérieur de mon bateau enfermé, donc le bateau logiquement a étudié pour se retourner. J'ai un système de pompe avec des ballons pour pouvoir le redresser une fois à l'intérieur. Si je suis en extérieur et que tout est fermé, j'ai un bout, je peux redresser le bateau. Le bateau est censé être hermétique. Et la fois où je me suis retourné du coup le bateau, enfin moi j'étais dans le bateau, j'attendais un bon gros coup de vent. Genre jusqu'à 50-60 nœuds, il y avait pas mal de creux. Ah ouais, ouais, ouais. Un micro ça? Bonjour. Ouais. C'est trop bien. J'ai essayé de pas dire de conneries. Hein, si on peut ne pas voir le juste pour terminer peut-être la radio avant. Ouais, mais c'est compliqué de tout faire en même temps. T'es un héros, Guigui. Bah, vous avez chacun le droit à une question, ok? Alors on lève la main. Mais non, mais bon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Donc j'étais en train d'expliquer mon retournement. 2 semaines après être parti, où j'ai vraiment galéré avec des vents contraires. Les États-Unis voulaient pas me laisser partir et j'ai ramé vraiment fort. J'ai donné tout ce que je pouvais, heureusement que c'était le début parce que sinon franchement ça aurait été compliqué. Mais voilà, j'ai fini par réussir, j'ai fini par récupérer ce Gulf Stream, ce fameux courant portant. J'ai pu enfin faire des milles dans la bonne direction, à une vitesse correcte, puis me reposer un petit peu. Et puis là j'ai une tempête tropicale qui m'est passée dessus, qui devait être au plus fort pendant la nuit. Et dès le matin, moi, je pouvais plus ramer parce que ça commençait vraiment à être dangereux. Et quand je rentre, c'est vraiment qu'il y a du mauvais temps, croyez-moi. Et du coup, j'étais enfermé dans mon bateau, logiquement en sécurité. Donc il faut savoir que moi, j'ai toujours un petit hublot ouvert pour avoir un minimum d'air. Parce que le bateau est hermétique. Ça veut dire qu'une fois que tout est fermé, tu as 15 minutes d'oxygène. Et ensuite, ça peut plus, quoi. Faut pas s'endormir quand tout est fermé. Et c'est un jour, il faisait très chaud, et j'avais ouvert un deuxième petit hublot sur le pont pour faire un courant d'air. Mais j'avais vraiment la main dessus pratiquement en permanence. Et là, je me suis retourné, j'ai rien vu venir, et je me suis retrouvé du coup à l'envers, et l'eau a commencé à rentrer. Et en fait, j'ai des bouts qui étaient aspirés par ce petit hublot. J'essayais de le fermer, mais sauf que j'arrivais pas à le fermer. Et là, je me dis, ok, Guigui, là, tu commences à être un petit peu dans la merde, quoi. Et j'ai de l'eau qui est rentrée par l'autre hublot, que j'ai fermé aussi, et très vite, j'avais plus d'air dans mon bateau, et là j'ai dit, ok, bon bah là il va falloir ouvrir le panneau principal. J'ai ouvert le panneau principal, l'eau s'est engouffrée dans le bateau, j'ai été projeté dans le fond, et là je me suis dit, ok, là mon niveau d'emmerde, il est au maximum là, et je me suis retrouvé à l'envers, avec mes affaires qui partaient. Et moi j'étais sur le pont de mon bateau avec vraiment du vent fort, ça déferlait. Et là je me dis, mais comment je vais faire, quoi. Donc évidemment, comme j'expliquais tout à l'heure, logiquement quand tout est fermé et qu'il n'y a pas d'eau dans le bateau, je peux le remettre à l'endroit. Mais là c'était juste impossible, quoi. J'avais beau prendre mon boot, il n'y a rien qui se passait. Et là comme, voilà, je voyais des affaires partir. Et je suis resté comme ça 1h30, 2h. Et à un moment j'ai vu l'ancre flottante. Donc l'ancre flottante, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Eugène, j'imagine que oui. C'est un système de parachute, on va dire, qui est censé... freiner ta dérive, ta vitesse. Et en fait, bien sûr, quand j'ai vu ça à 2-3 mètres sous l'eau, j'ai plongé, j'ai récupéré cette ancre flottante que j'ai amarré un long bout, que j'ai amarré sur le milieu de mon bateau. Je me suis mis travers aux lames et là, j'ai attendu une grosse déferlante entre l'ancre flottante, la vague
Et puis le poids de mon corps, j'ai fini par redresser le bateau quoi. Mais franchement, mais c'était un miracle. Et puis après, il n'y a plus rien qui fonctionnait à bord. Plus rien marchait. Mais voilà, tel un breton, j'ai dû continuer ma route quoi. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident, donc là j'ai perdu tout moyen de communication. Ma priorité c'était de prévenir mes proches parce que franchement je me suis fait des films dans ma tête. Je me suis dit bon bah on va peut-être m'enterrer quoi. Alors que je suis en train de ramer, tu vois, tout va bien quoi. Enfin je rigole mais bon, c'était pas forcément marrant au moment venu quoi. Mais c'est important de rester positif quoi, évidemment, toujours, même dans les moments les plus critiques, c'est ça qui nous fait tenir. Et du coup, bon bah, au bout d'une trentaine d'heures, j'ai fini par réussir à appeler un cargo et lui expliquer que bah, voilà, mes problèmes à bord, il a pu contacter quelqu'un à terre pour rassurer. Et ensuite, bah, voilà, moi j'ai continué ma route avec beaucoup de problèmes à bord. Ce serait difficile de tous les citer. Je pense que le plus rapide, ce serait de citer ce qui allait bien. mais voilà, j'ai continué. Il y a eu des moments durs, il y a eu des moments merveilleux, j'ai été suivi par des requins blancs, j'ai eu des orques, j'ai eu des baleines, j'ai eu des étoiles filantes à gogo, j'ai vu des choses juste exceptionnelles. Et c'est vrai que fin août, j'étais à 380 000 de Ouessant, et ça faisait déjà, je sais pas, 70 jours que j'étais en mer, c'est ce que j'avais prévu à la base. Et là, je pensais arriver dans une semaine, 10 jours, sauf que là, j'ai commencé à me taper des vents contraires, avec des vents d'est, et là, j'ai commencé à dériver, et je suis parti vers le nord, en direction de l'Islande, et là, je commençais à être chaud en nourriture, mais chaud, chaud. C'est ça, j'ai quand même perdu 14 kilos, et à la fin, je mangeais même tout ce qui était moisi à bord, quoi. Donc voilà, je suis pas très compliqué, si vous avez un peu de nourriture, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tout. Un bon œuf de Monique, ça m'a manqué quoi. Mais heureusement qu'elle n'était pas là, ma petite Momo quoi. Mais bon, j'ai pensé à elle. Et puis, et du coup, donc ces vents portants m'ont emmené vers l'Islande. Et puis à un moment, j'étais plus très loin de l'Irlande et je me suis dit, il va falloir prendre une décision. Du raisin de Brigitte. Ah bon, du raisin de Brigitte, je prends. Merci Eugène Riguidel. Infidèle en vrai. Je pense qu'il a navigué avec mon père il y a quelques années. Le voir là. Ça c'est chouette. Merci Eugène. Merci Eugène, merci Maurice, merci Alice, merci Newt. Pas moisi du tout. Ouais, ça va. Merci à la ville de Brest d'ailleurs de m'accueillir. Merci à Rivacom, merci à mes partenaires exceptionnels. La région Bretagne, hein, on vit quand même dans la plus belle région du monde, c'est important de s'en rendre compte. C'est vrai, hein. Mais il faut pas trop le dire. Et ce qui est chouette, c'est quand je suis arrivé, on m'a dit, mais cet été il a fait un temps de merde. Je me suis dit, bah écoute, c'est bien, peut-être que l'été prochain on sera moins nombreux. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Et donc merci à la région Bretagne, merci à Agaphone, à Efficence, au groupe Saturn, à MGS, à Gavotte, à Coccinelle. Drive Me. Non, Drive Me, je t'ai relancé plusieurs fois, mais t'as jamais voulu faire le lien. Enfoiré. Mais t'inquiète pas, je me rate après plus tard. Non mais bon, j'en oublie forcément. Merci. Bravo à ton équipe. Merci à toute l'équipe. Ouais. Vous avez été exceptionnels. Merci à toutes les personnes qui me suivent. Merci de. Merci Alice. Merci la marine nationale. Merci les gardes-côtes. Merci le cross corsaire. Merci les pêcheurs. Mais merci tout le monde en fait. Merci la vie quoi. Merci les étoiles aussi parce que vous êtes guidés les étoiles. Bah ouais, je me suis. Ouais. Merci, franchement. Et je vous promets, mais c'était tellement important pour moi d'arriver en Bretagne. Et comme j'ai expliqué, là, donc le moment où je suis parti à la dérive, je pensais vraiment finir en Irlande. Et là, j'avais le choix ou de continuer à me laisser porter avec les vents contraires et finir en Islande. Mais je me suis dit, bah, à un moment, je vais arriver à court de nourriture, j'ai les vents contraires, je ne peux pas avancer. Il y aura de moins en moins de cargo. Donc voilà, il faut choisir. Et donc j'ai décidé de faire du sud-ouest, donc partir un peu à l'opposé de la Bretagne. Et je m'écartais. Et là, j'ai vraiment galéré. J'ai mis 24 jours à tourner en rond, à récupérer mon point GPS, quoi. Les 24 jours. Et donc, je pensais traverser en 70 jours, quoi, peut-être 80. J'ai mis 107 jours. Mais c'était tellement important pour moi d'arriver en Bretagne, je vous assure, quoi. Et quand j'ai vu, là, Ouessant se dessiner le matin au large, j'étais tellement heureux. Parce que pour moi, arriver en Irlande, en Espagne, mais j'aurais dû recommencer, en fait. C'était énorme. C'était pas bon. Et voilà, j'y suis, j'ai rien lâché, je me suis battu et franchement, je vous assure que voilà, ça a pas été simple. Mais voilà, il faut y croire. Et puis Tel meilleur.
Sans repère, eh ben, au début j'avais plus rien, puis après j'avais une carte papier, j'ai mon GPS qui a refonctionné, heureusement, donc j'arrivais à me positionner. Mais quand je me suis retourné, je me suis dit ok, ben là j'ai plus rien, j'avais une VHF portable. Longtemps, je me suis retrouvé avec plus rien qui fonctionnait, mais genre plus rien, ça veut dire que moi mon bateau est tellement bas sur l'eau que je suis invisible. Il y a des moments où quand j'avais de la batterie dans ma VHF, quand je voyais des cargos pas loin, je pouvais les contacter, mais plusieurs fois j'ai vu des cargos sortir dans le brouillard, arriver de nuit sur moi, et je pouvais pas les contacter quoi. Et là, tu te dis bah comment ça va se passer quoi. Parce que tu peux rien faire en fait. Donc bah là j'ai un petit peu prié honnêtement pendant cette traversée quoi. Et de revoir tout le monde après avoir été tellement tout seul. Ouais bah tout seul pendant autant de temps, c'est un luxe. Enfin, franchement. Qui peut se permettre aujourd'hui d'être coupé du monde autant de temps, franchement quoi. Et quand je vous vois avec vos masques, je me dis que j'ai pas loupé grand chose quoi. En tout cas, je peux vous dire que le Covid dans l'Atlantique, il n'existe pas. Non mais vraiment quoi. Donc j'espère qu'on va, voilà, on va vite en finir. Ça vous touche de voir autant de monde aujourd'hui qui est là pour vous? Ouais, ça me touche énormément. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce retour dans mon pays. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'avais fait l'aller en fait. Je suis parti mi-décembre, mais je suis arrivé fin février. Donc des Canaries jusqu'aux Caraïbes, 74 jours. Et j'avais un bouquin à bord, c'était le livre de Gérard Daboville, qui est la première personne à avoir traversé l'Atlantique à la rame en solitaire il y a 41 ans. Et arrivé au milieu de l'Atlantique, je me suis dit, ouais, ça devrait être pas mal de faire le retour quand même ou quoi. J'y pensais, je n'osais pas trop prévenir ma copine. Et j'aurais quand même passé plus de 180 jours, donc en gros 6 mois, sur ce petit bateau. Et je peux vous dire que niveau confort, c'est très limite. C'était très, très inconfortable. J'ai dormi dans la moisissure, j'étais dans l'humidité, j'étais vraiment. Voilà, c'était pas terrible quoi. Mais bon, tout ça c'est secondaire. Et voilà, ce qu'il faut, c'est garder espoir. Et puis arriver en Bretagne, c'était important pour moi de montrer qu'un Breton, ça tenait la route, quoi. Tu vois. Ouais. Et puis. Non. Donc, bah, je sais pas. Je peux vous dire de plus. Enfin, j'ai plein de choses. On pourrait discuter. Des millions de coups de rame. Des millions de coups de rame, ouais, je pense que, bah, à la base, on va parler en kilomètres, je pense que ça va être plus simple. Je crois que la traversée, c'était 5000 kilomètres ou 5500, j'ai fait 8000 kilomètres. J'ai fait quelques petits détours, j'avoue. C'était assez sympa. Donc voilà, si vous avez besoin d'adresse dans l'Atlantique, je peux vous recommander quelques spots pour voir dauphin. Non, mais j'ai vu des trucs, vous vous rendez compte, quoi. J'ai été suivi par des baleines, j'ai apprivoisé une dorade. Paulette, ma dorade, elle s'appelait Paulette. J'ai eu Pedro, le footbassant. Pedro, il m'a suivi pendant des semaines, des centaines de kilomètres. Il était jusqu'à Ouessant avec moi, il n'a pas voulu me lâcher quoi. Non mais c'est beau ça. Non mais vraiment quoi. Il y a eu des moments tellement forts, et c'est vrai quand t'es seul pendant longtemps comme ça, tu t'émerveilles pour un rien. Mais je vous promets, mais c'était... Enfin, c'était dur, mais c'était fou, mais je suis tellement content d'être arrivé parce que... Bah, aussi, on est content. Merci Paulette. Merci Paulette, merci Paulette. Merci Pedro. Et ton voyage à bord d'Ivinec, ça t'a aidé à passer certains moments difficiles? Mon voyage à bord d'Ivinec, ouais, bien sûr, ça m'a aidé. Bah, j'avais fait un hivernage coupé du monde pendant 130 jours dans la glace. Mais il y avait Monique, enfin, là, elle n'était pas là, Momo. Donc là, j'étais vraiment seul, mais j'ai pas vraiment souffert de la solitaire, d'être seul, quoi. Mais ce qui était dur, c'était le fait de ne pas avoir de météo, parce que tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce qu'il faut faire. Et quand les vents te portent, ça va, mais c'est vrai que quand c'est contre toi, ça commence à être compliqué. Et merci Momo, merci Maurice, c'est clair. Et après, ce qui m'inquiétait, c'était ma famille, parce qu'il y a des moments, pendant 3 semaines, par exemple, j'ai pas pu croiser de cargo, donc bah, ils pouvaient pas avoir de nouvelles de moi, quoi. Et j'imagine que ça pouvait être un petit peu compliqué, mais bon, voilà, ils me connaissent aussi, quoi. Monique, elle est où? Et Monique, elle est, je sais pas, elle est restée sur sa petite île de Bretagne Nord. Voilà, tranquille, au boulailler. Mais heureusement qu'elle n'est pas venue. Elle a insisté pour venir, insisté. Et vraiment, on s'est vraiment pris de bec, quoi. Sans jeu de mots, quoi. Et heureusement qu'elle n'était pas là. Ouais. Parce que non, mais vraiment, c'était chaud, quoi. C'était chaud. J'ai encore du mal, là, parce que c'est tellement frais dans ma tête, il s'est passé tellement, tellement, tellement de choses. Je pense qu'il va falloir écrire un petit bouquin quoi, pour vous raconter tout ça. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'on va commencer les précommandes maintenant à la boutique.
Je sais pas si vous avez. Débat, Gary. Comment? Débat. On bouge. Ouais, carrément. Bon bah. Bravo, Guirec. Champion. Merci d'être aussi. Champion. C'est. Vous faites un cadeau là, mais je suis tellement aimé. J'ai vraiment donné tout ce que je pouvais pour être là, quoi. C'est une belle Merci. Guirec, ouais, comment fait gérer l'eau? Ouais, bah l'eau, c'était un problème aussi, nous. C'est vrai que quand je me suis retourné, j'avais plus de dessale électrique, et donc je devais pomper tous les jours pour avoir mon eau. Et ça, c'était un peu le stress, si tu veux, parce que donc j'avais un dessal manuel. Et c'est vrai que j'attendais souvent le dernier moment, c'est-à-dire au moment où j'avais plus d'eau pour pomper, et à chaque fois c'était le stress en me disant est-ce qu'il va marcher parce que mon dessal manuel il est de 94, je crois, tu vois. Mais il a fonctionné, quoi. Il a fonctionné, donc voilà, ça l'a fait. Et donc l'eau, voilà comment ça se passait. Et puis après, nourriture, bah, plus je voyais que je mettais temps, plus je devais me rationner, quoi. Et c'est vrai que j'ai eu faim souvent. Vraiment, j'ai eu faim, mais voilà. Hein. Et le dessal manuel, c'est quoi? C'est combien dans le dos? Dessal manuel, tu comptes une heure par jour, une heure et demie, quoi, dans l'idée, quoi, pour avoir 2 litres. Parce que c'est sympa, quoi. Quand t'as fait un peu de rame, ça. Non, mais c'est bien, quand t'as fait 10-12 heures de rame, t'es en forme, toi. Tu dis, allez, bim, on envoie. Et puis, il faut les calculer de bon moment, tu pouvais pas faire ça par mauvais temps non plus, parce que tu devais avoir le capot ouvert, enfin bon. Il fallait vraiment penser à tout. C'était vraiment une belle aventure. Et bah voilà, je pense que quand tu as fait ça, tu peux faire pas mal d'autres choses derrière, hein, j'espère. Hein. On va voir ce que sera la suite, mais bah vivement la semaine prochaine. Je sais pas ce que vous pensez. Allez, nous. Voilà. Vendez bien. Je pense. On va voir. Voilà, et bah, là, on va... On avance là-bas. On va là-bas. Ok. Tu nous... Bon, bah, super. Garde le micro, si tu... Allez, un beau cadeau de Gavotte. Mais ça, la nourriture, c'était mon moteur à bord. J'avais entre les gamins. La saucisse de Molène. Et la saucisse de Molène à l'arrivée, c'était pas mal. Non, j'ai pas pêché, mais je pouvais pas pêcher. Et c'est Dorade, elle faisait partie de la famille. Parfois, elle faisait des semaines avec moi. Des semaines, Paulette. Mais Paulette, je pouvais pas la manger. Je pouvais pas faire ça. Non, mais c'est vrai, je peux pas. Et la nourriture, bah, entre les gamins, le super partenaire, la part Paulette. Mais ça, c'était le petit plus dans les moments durs, quoi. Toi, tu ouvres un petit bocal de lapin polaise, tu manges une petite gavotte. Et là, c'est bon, t'as rechargé les batteries, tu peux repartir pour 10 heures, quoi. Non, mais vraiment, c'était hyper important. Et une grosse pensée à ça, c'est de la à cousine Romane, qui m'a porté. Bravo, bravo. Il est porté. Ouais. Merci à tous. C'est cool. Bravo, mec. Ouais, c'était chaud, hein. Il y a des moments, franchement, je me demandais comment j'allais m'en sortir. Là, quand j'étais à l'envers sur la coque de mon bateau, tu vois. Mais je vais pas pouvoir passer la nuit comme ça, c'est pas possible. Quoi. Ils annonçaient 60 nœuds. Et je sais pas combien de mètres de creux, quoi. Et le bateau, j'arrivais pas à le redresser. Là. Je me suis dit, j'étais tellement dans la merde. Quel homme. T'es grand, mon Guigui. Enfin bon, hey, je suis là maintenant. Ouais. Je suis sur la terre bretonne. Presque. Ouais, presque. Ça bouge un peu, on va y aller progressivement encore. Hier, j'ai failli tomber de la cale de Molène en arrivant. Quoi.
Eugène. Ouais, Eugène. J'ai juste une bise vite fait. J'espère que je passe. Merci Eugène. Eugène. Ah ben il était là aussi. Ouais. Merci Eugène. Ouais. J'ai une belle équipe, hein. Merci. Alice, bravo. Autant solidaire. Bravo, bravo Alice. Alice. Ouais, Alice, elle a fait un super boulot. Te cache pas, Alice, te cache pas, on t'a vu. Ouais. Viens là, Alice. Ouais, merci. Quoi. Sacré Alice, ça fait un merci, sacré boulot. Ouais. Je vais lâcher. Ah ouais, là, tu vas pouvoir lâcher. Là. Ouais, tu vas pouvoir lâcher. Bravo. Bah, normal, attends. Normal. Alors mais t'as bien guidé. Ah ouais, il est là toujours. Allez, bon. Ouais. Bon, allez. Bah c'est cool. C'est le meilleur Guito. Ouais, je t'appellerai jamais plus. C'est bon, en vrai, c'est... Je t'appellerai jamais plus. Passé un cap, là. Là, je l'ai prouvé, hein, mon père. Ah putain, ah oui, là, tu m'as prouvé, ouais. Maintenant, quand j'ai une mère, je pense à toi, je dis que c'est rien. C'est Guigui. Merci d'être là. Bon Guito, bah. Ça va, vous? Ouais. Il y en a qu'on peut mettre dans la voiture. Ah bah tu sais, ça prend du temps de faire visiter le bateau, hein. Faudra qu'on ait du temps. Ouais. Je dis quoi, merci bien. Merci Amiral d'être là. Merci à la Marine nationale. C'est tellement émouvant aussi de m'avoir survolé là il y a quelques jours là. Ah oui, la l'échange que tu as eu avec la Marine. C'était incroyable. C'était grandiose. Ah ouais. C'était grandiose. Ouais. L'échange était trop beau. T'avais une voix, mon pote. T'avais une voix. T'avais une voix d'enfer. Mais j'étais si proche en plus que ça a été dur parce que je pensais arriver la semaine dernière et là j'ai commencé à me taper des vents contraires avec le gros coefficient et je voyais que ça allait pas le faire. Et puis là, j'avais plus de jus, j'étais dans cet état, je ne veux pas tout détailler, quoi, mais je ne pouvais plus m'asseoir et tout, j'étais vraiment comme ça. Ouais, j'ai perdu 14 kilos. On va voir quand tu prennes un petit peu de sec de thon, là. Ouais. Ça va le faire. Un peu de repos, maintenant, vraiment. Ouais, un petit peu. Deux, trois jours. C'est bon d'être là, merci. T'as les félicitations de toute l'équipe de Walmag. Ah c'est cool, bah merci Walmag, trop chouette. T'as plein de couvres restantes. Ah ouais, il y a couvres restantes, c'était là. Il y a du monde partout. Blue Gresco Blue Gresco. Ouais. Faut embaucher papa comme haut-parleur. Ouais. C'est cool. Oh, ça bouge un peu. On va avancer, continue. Ouais, allez-y maintenant. Ouais, putain, ouais bah à toutes. Ouais. C'est bon là, je suis là. Ouais, bravo. T'as une meuf. Mais non. Ouais, vas-y, moi je pense que c'est incroyable. Yarek, ça y est, tu réalises? Bah, je réalise pas du tout. Non, j'arrive pas à réaliser, je pense que je vais avoir besoin d'un petit peu de temps, quoi. Vraiment. Et c'est faire du bien de retrouver un peu de confort. Hein. Une petite douche, un lit qui bouge pas, au sec, de la bonne nourriture. Et puis, bah voilà, mes proches et ma Bretagne, quoi, surtout. Ma Bretagne. Mais c'était tellement important pour moi d'arriver ici, mais je vous promets, quoi. Quand j'ai passé la ligne d'arrivée, là, entre le Cap Bizarre et le phare du Créache, là, mais. C'était un soulagement, quoi. Ah, parce que 107 jours hein, quand même, 107 jours ouais, c'est long. Hein. De toute façon, il faut aller que j'arrive, hein, parce que le mois prochain, hein, apparemment, il se passe quelque chose. Olé, ça va mon pote? Ça fait 100 jours que tu m'as appelé pour offrir des fleurs à ta femme. Ah ouais, c'est vrai. Je vais lui offrir. Je peux dire que c'est moi? Bah vas-y, c'est fait pour. T'as un nude, j'ai un cadeau. Vas-y, Garrick. Ouais. Je te suis. T'as un nude, c'est pour toi. Regardez le ventre, il fallait que j'arrive parce que le mois prochain. Le mois prochain ou pas? Oh, Faut que je me mette à jour, 15 jours sans communication, t'es marrant toi. Alors
Attends, je vais le prendre. Encore un peu. Laisse-la grandir encore. C'est un garçon ou une fille? C'est une fille. Ah. Oh. C'est une fille, ouais, vous savez tout. C'est un rameur ou quoi? Bah, je sais pas, on verra. Bah, je conseille pas de ramer, hein, franchement. D'ailleurs, le bateau est à vendre. Hein. Voilà. Je tiens à le préciser, quoi. On va passer à un autre support. C'est un moteur. Exactement. Ah là, c'est bon, c'est cool. Ah, c'est bravo cool, Mougitou, ouais, t'es un héros. Mais non, je suis pas un héros. Mais non. C'est une figurec, on avance. Bravo Guirec. Ouais. Jusqu'au bout là, fallait croire. Allez, go. Ouais. On va aller sur la plateforme là pour bloquer. Juste avant d'afficher un petit peu, parce que là on commence à avoir un bon V. Ah ouais, c'est pas le moment de tomber à la baille. Hein. Ça m'embêterait. Pour Sylvain. Ouais, ok. Ah, c'est cool, on est venu là. C'est où, bof? Ça va ou pas, tu vois? C'est cool, c'est ça. T'as un beau polo comme ça. C'est un polo? Merci, hein. C'était génial. Hein. Vous avez fait du bon boulot, bravo. Direct, hein. Ouais, je m'en fous du peut-être là. Ah ouais. Là, non. Ça va pas s'arrêter, en fait. C'est ça, par là. Et je fais ça. Ouais. Ouais. Non, t'inquiète. Je bois pas d'alcool, mais pour vous, je bois un coup. Ah, ça fait du bien, quoi. Bon, ben voilà, c'est fait, moi je sais plus quoi vous dire. Hein. J'ai tellement parié de l'autre. Allez le voir, mais c'est bon. On va vous mettre là, tranquille. Hey, c'est trop bien ça, c'est beau ça, merci. Non, regarde là, bah non, regarde. On peut faire tourner. Ah non, c'est pas très Covid ça. Ok, bon bah, pour ceux... je sais pas, vous voulez que je fasse quoi Non, pour ceux qui ont besoin de faire du son. Je vais ramer un petit peu quoi. Nicolas. Ah ouais, ouais. Ok. Ouais. On va finir les sons. Et après on fera Merci. Oh, et le sac. Là, il s'appelle après. Voilà, mais le temps que je te ramène au bateau, je vais te ramener. Allez, on fait quelques sons. Ok, super, merci pour votre accueil. Hein. C'est vrai. Ouais, non, mais c'est un œil de Gérard Lamobile quand même. Merci pour tout ce que vous avez fait, hein, franchement, pour cette organisation. Ouais. Ouais. Ok, ouais, je vais écouter la côté. Ok, super, bah mille merci. Merci beaucoup. Merci. C'est trop chouette. Allez, Monique n'était pas là, mais je vous ai fait beaucoup. Je me suis fait des copains, ouais, j'ai fait beaucoup de rencontres. Bah il fallait, hein. 90 jours sans communication, il y a un moment, il faut créer le contact avec quelque chose. Et comme je le disais, j'ai eu la chance d'avoir. J'ai vu des dizaines et dizaines de baleines, des baleines qui sautaient de l'eau entièrement, des baleines qui étaient dans le sillage de mon bateau, qui m'ont suivi. J'ai vu des requins blancs, j'ai eu ces fameuses dorades, j'ai eu plein de choses, hein. J'ai eu un orque aussi à un moment. C'est ces petits plaisirs là, mais qui font toute la différence, quoi.
tu peux passer une... Là, justement, quand j'ai vu l'orque, par exemple, je venais de passer une semaine vraiment compliquée au nord des Açores. Et là, mais tu vois cette orque sortir de l'eau entièrement. Tout bitou, quoi. Tu peux repartir, là, pour une semaine, quoi. C'est bon, quoi. Qu'est-ce que vous retenez de ces 107 jours Bah, qu'est-ce que je retiens? Je retiens que c'était long, vraiment, qu'au final, on est pas mal à terre, quoi. Mais que c'est un, ça fait un, ouais, ça fait un bien fou de se déconnecter, de vivre pour soi, de prendre du temps, de pas avoir de parasites autour entre guillemets, quoi, vraiment d'avoir l'esprit libre, quoi. Et là, surtout de pas lâcher, quoi. Et là, vous vous sentez comment là maintenant? Bah là, je me sens, je suis un peu, je suis un peu à l'ouest, quoi. Pourtant, j'ai bien ramé l'est, quoi, mais je me sens bien, je me sens franchement en forme. À l'aller, j'avais du mal à marcher, mais j'essayais de faire de l'exercice là sur mon bateau. C'est de marcher comme ça sur place pour travailler des muscles que je peux pas travailler en position assis ou allongée. Et non, mais bon, c'est je me sens bien, je me sens ouais, je me sens pleine forme. Qu'est-ce que vous allez chercher dans le trouvé au final? Bah, qu'est-ce que j'allais chercher? Là, je suis vraiment allé au bout de mes limites, au bout de ce que je pouvais, quoi. C'était, voilà, là, je pense que j'ai appris la limite de là où je pouvais aller. Et surtout, c'était tellement important pour moi de pouvoir arriver en Bretagne et de refaire cette route 41 ans après Gérard d'Abbeville. C'était d'arriver au même endroit que lui et tout, c'est juste magique, quoi, partir du même endroit. Et c'est vrai qu'en plus, tout le monde n'était pas forcément optimiste. Je me souviens du premier journaliste qui m'a interviewé au départ de Cap Cod. La première chose qu'il m'a dit, je sais pas si je devrais te le dire, ma dernière personne qui est partie à la rame, bah, on l'a jamais retrouvée. Ok, super. Après, j'avais un magazine là, de voilier sur la dernière victoire entre autres du Vendée Globe. Et il parlait d'une histoire d'un marin pareil parti de Chatham jusqu'en France. Pff, rien retrouvé, quoi. Je suis ok, super sympa les histoires ici. Bah bon, du coup, j'essaie de penser à des choses un peu plus positives. C'est anecdotique, mais est-ce que la poule vous a manqué? Mais bien sûr que Monique m'a manqué. Évidemment. Mais heureusement qu'elle n'était pas là, quoi. Parce que ça aurait été hyper, hyper compliqué pour elle. Et c'est vrai que Monique, c'est une vraie présence pour moi. Je me confie à elle, quoi. Et puis ces œufs m'ont manqué. Enfin, j'étais vraiment 107 jours, mais j'ai quand même perdu 14 kilos, quoi. Enfin, c'est vraiment dur de se rationner, surtout quand tu rames fort et que t'as faim et tu dis ben non, parce que je sais pas combien de temps ça va durer, donc il faut faire attention à tout ça, quoi. Mais vous êtes fait une nouvelle copine, la Dorade. Je me suis fait il y a eu Paulette la Dorade, évidemment. C'était top, mais je pouvais pas manger Paulette. Et puis il y a eu Pedro le foot bassin. Ça se mange pas non plus. Ça se mange pas, non, bah pff, au dernier recours on peut manger, hein, mais bon. C'était pas l'idée en tout cas, quoi. Mais au niveau nourriture, c'est un peu... Mais d'ailleurs, ce que je vous ai pas dit, c'est que bon, dans mon retournement, j'ai perdu beaucoup de choses. Et entre autres, il me restait qu'un fond de gaz. Là, j'ai fait un mois et demi, deux mois, j'avais plus de gaz du tout dans mon bateau. Donc tout lyophilisé, c'était froid. En plus, c'était du gaz en ce moment. Hein, ouais, en plus. Hein. Non, mais du coup, c'était vraiment... Enfin, quand t'as plus ça à manger, de toute façon, tu le manges. Hein. Mais bon, c'était très, 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 très limite à bord, quoi. Qu'est-ce que ça change d'être en radeau par rapport à un voilier? Parce que là, on est mieux sur un voilier. Hein. Honnêtement, bah, t'es au radeau, donc t'es trempé tout le temps. Après, t'as vraiment l'impression d'être dans l'eau, de nager, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai que j'ai regretté mon voilier deux, trois fois. Et on est quand même mieux à la voile, quoi, je vous assure, quoi. Surtout quand t'as pas les conditions météo. C'est que dès que t'as des vents contraires un petit peu forts avec ce bateau, bah c'est juste pas possible, quoi. Et à un moment, j'ai croisé un voilier en plein milieu atlantique. Genre, j'étais en train de ramer, il est sorti du brouillard de nulle part. Oh, j'ai sauté sur ma VHF et je l'ai appelé, mais il ne répondait pas. Il devait pas être allumé, sa VHF. Et du coup, j'étais un peu triste, quoi. Parce que je m'étais imaginé plein de choses dans ma tête, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Puis, dès que je me suis approché, il y a des pêcheurs qui ont voulu me filer plein de trucs. Enfin bon, tout le monde a été top. Il y a une vraie solidarité des gens de mer. Et ça, c'est important, c'est une vraie famille. Et c'est des gens exceptionnels et que je remercie. Merci d'avoir été là, vraiment. À tous, quoi. À tous. Est-ce que tu l'as senti à quelques jours d'arrivée que à l'arrivée, tout le monde a été un petit peu les yeux tournés vers toi? Non, parce que... J'espérais que les gens soient contents, quoi. Mais je m'en rendais pas trop compte, hein, parce que j'avais toujours pas de moyens de communication. Donc je pouvais discuter avec quelques bateaux de pêche autour à la VHF. J'ai eu la Marine Nationale, après j'ai eu les Coast Guard qui sont venus me voir tous les jours, trop sympa pour savoir comment j'allais, compiler des fichiers météo, enfin c'était juste ouf, quoi. J'en reviens toujours pas, quoi. J'ai eu un accueil digne de la Bretagne, quoi.
Le premier contact avec la terre, c'était qui ? Le premier contact avec la vraie terre ferme, c'était les Cross Corsen de Ouessant. Ouais, que j'ai pu avoir en VHF et d'ailleurs qui ont fait un super boulot aussi que je remercie. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bah ils ont relayé en fait, ils ont tenu au courant parce que bah, j'avais pas de moyens de communication, donc on savait pas trop où j'étais, on savait pas trop où j'allais arriver. Et les pêcheurs, la marine, enfin tout le monde était en contact avec eux et mon équipe et ils ont fait, enfin ils sont exceptionnels quoi, ils ont fait un super boulot. Donc merci beaucoup, beaucoup à eux. On les voit pas mais. Il y a eu quand même cet épisode dans la tempête, on peut revenir un peu dessus, là ça a été quand même le pire. Là c'était le pire, j'avoue que les vents contraires là sur la fin là c'était dur aussi, mais la tempête non, là. C'est pas moi je suis. Ouais c'était dur, mais surtout je voyais pas comment j'allais redresser mon bateau quoi. Je voyais pas comment j'allais le redresser. Et je voyais la tempête tropicale qui allait arriver sur moi de plus en plus fort, enfin elle était déjà présente. Je crois qu'il est parti. Et là je me suis dit mais. Là je me voyais mal avec 60 nœuds à l'envers, accroché à mon bout dans les déferlantes, je me suis dit je vais passer une sale nuit quoi. C'est toi qui as eu cette idée de retournement. Bah heureusement. Mais en fait il y avait un système de barre en fait que tu mets la perpendiculaire du bateau pour avoir plus d'angle et tu vois être plus loin pour que ça fonctionne mieux. Alors ça marche quand tout est fermé quoi. Quand le bateau est rempli d'eau et tous les compartiments étanches et filo aussi, donc j'ai dit tout était mort sur mon bateau. Et c'est vrai qu'entre cette barre que j'ai pu mettre à la perpendiculaire du bateau, entre l'angle flottant et une déferlante, C'était toi par contre. Bah il fallait c'était une idée un peu logique hein. On n'a pas besoin de faire polytechnique pour ça je pense. Vous comptiez les coups de rame? Si j'ai compté les coups de rame, en effet monsieur. Donc 1 million, non j'ai pas compté, désolé. Je me faisais chier mais pas ce point là quand même. Non mais il y en a eu beaucoup. Beaucoup trop. Mais vous rendez compte là, j'ai passé 181 ou 182 jours cette année dans l'Atlantique sur ce bateau. C'est long. Heureusement que quand tu pars, tu sais pas ce qui t'attend quoi. Ouais, vaut mieux pas savoir. Vous partiriez pas là. Avec ça là ouais. Non, c'est fini. C'est fini. Mais ce qui est fou, c'est que Gérard Daboville, il y a 41 ans, au final, il a eu des super conditions. Après, c'était pas la même époque, il savait pas où il allait. Ça, c'était un vrai aventurier, j'ai énormément de respect pour lui. Il était en contact, ce qui est fou, avec Maurice. Maurice, c'est mon copain qui est routeur et qui routait à l'époque Gérard Daboville il y a 41 ans. Et c'est lui qui me routait. Enfin là, c'était plus trop possible. Et quand je disais le bouquin de Gérard Daboville, je me disais mais il avait un contact avec la terre, il a eu des super vents et au final, il a eu une plus belle traversée que moi. Quoi. Et j'avoue qu'il y a des moments, j'étais un peu jaloux. Quoi. Mais bon. Bon, prêt pour le Vendée Globe ? Bah après non, on est jamais prêt hein, je pense pour un Vendée Globe, c'est comme pour une traversée comme ça, mais en tout cas motivé, ça c'est certain. Et puis je pense qu'il y a quand même 2-3 trucs à apprendre. Et là j'ai fait une bonne petite formation. Et puis il va falloir aller de l'avant et puis vivement la suite. Et c'est sûr que de passer d'un tricycle à une Ferrari, je pense que ça va être agréable de faire des milles. Ça c'est clair. Vous aviez tout de même des Vendée Globe, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire, mais je pense que ça va être plus compliqué de se retourner. Quoi. ouais. Vous aviez tout de même après le retournement des équipements pour vous guider ou c'était avec les J'avais, au début j'avais plus rien, tout était mort et j'ai essayé de rincer tout ce que je pouvais, de frotter et j'ai réussi à rallumer le GPS et j'avais un AIS qui marchait de temps en temps, mais la plupart du temps malheureusement il marchait pas. Et c'était vraiment ma phobie. Et puis j'avais ma VHF portable, heureusement il y avait très peu de portée, mais j'ai pu quand même rentrer en contact avec quelques cargos quoi. Mais enfin de toute façon je continuais, quoi qu'il arrivait j'y allais, mais c'est vrai que, heureusement que j'ai pu rentrer en contact avec ma famille quoi. Revenir après 100 jours et les laisser dans le doute comme ça, mais ça aurait été horrible quoi. Ça aurait été juste, c'était pas... mais bon. De toute façon je pouvais pas faire demi-tour parce qu'une fois que t'es dans le Gulfstream, t'es dans les vents, les courants portants, donc à un moment, faut y aller quoi. L'idée c'était d'arriver le plus vite possible. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Vous aviez déjà vécu des retournements, on va dire à l'aller. J'ai vécu des retournements à l'aller, ouais. Mais c'était rien de comparable. Mais c'était rien de comparable en fait. Parce que là en fait, si vous voulez, c'est comme se retourner avec un voilier, d'être dans le bateau et de se dire là je sais plus quoi faire. Et du coup, t'ouvres ton hublot principal et là t'as ton l'eau qui s'engouffre dans le bateau. Donc à partir du moment où ton bateau il est à moitié coulé, y a quand même peu de chance de trouver une sortie. Quoi. Et j'ai réussi donc c'est chouette. Donc c'est cool. Est-ce que t'as pensé abandonner? C'était traverser l'esprit ou... Non, je voulais pas abandonner. Pour rien au monde j'aurais abandonné. Mais c'est vrai que quand tu croises des cargos et qu'ils te disent
Est-ce que vous avez besoin d'assistance? Si vous avez besoin, on peut mettre votre bateau sur notre porte-conteneur ou sur notre cargo. Dans 5-6 jours, on est à Brest. Ok, bah moi, il me reste encore 60 jours, 80 jours. C'est vrai que c'est tentant. Mais non, 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 mais non. Un breton, ça abandonne pas, quoi. Non. On y va, on y croit. Jusqu'au bout. Et à vous regarder, vous êtes en pleine forme. Mais bien sûr que je suis en forme. Bah ouais, bah il fallait, mais j'ai eu le temps de me reposer aussi la semaine dernière. La semaine dernière j'étais vraiment dans un sale état, quoi. Mais ça le fait. Ça le fait. Moi, je suis quand même un peu fatigué. Hein. Je vais pas vous le cacher, quoi. Mais bon, on se plaindra plus tard. Vous étiez à Ruissan la nuit dernière? Ouais, j'ai fait l'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est entre. Du coup, le... Ah ouais, c'est cool. Entre le Cap Lizard, ouais pardon, j'étais en train de penser à autre chose, et le phare du Créache. Et ensuite on est parti à Molène. Ouais. Et j'ai vu qu'il fallait pas confondre Ouessant et Molène, quoi. Parce que quand je suis arrivé à Molène, il y avait beaucoup de monde autour de moi. Puis j'étais au téléphone avec je sais plus qui, et je dis ouais, bah je suis arrivé à Ouessant, et là tout le monde s'est retourné vers moi, et là je dis Molène. Ah oh putain, j'ai cru que ça allait mal finir, hein. C'est le sacrilège. Ouais, vraiment, quoi. Donc voilà. Ouais, on va faire juste une photo sur le bateau pour, ouais. Ouais, ouais. Pour le Parisien. Ouais, ça va passer là. Ouais, je peux lire les nuages, hein, si vous voulez. Cool, merci. Un petit grain de rien, ça. Ouais, mais t'inquiète, je vais y aller. Allez, bon, qu'est-ce qu'on fait de la Par contre, si on rentre dedans, on aura bien les vignettes. Ah ouais, les enfants sont ramenés, les vignettes, il y a pas de chien. En fait, c'est bien. Fred Guérin. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? J'ai une petite poule pour mettre sur le bateau. Hop, pardon. Antoine ? Non, allez, maintenant, on sort. Roger, ça vous fait quoi de voir arriver Guirec à terre ? Ah ben moi, ça me fait plaisir d'être là parce qu'on a quand même suivi l'affaire et puis on le connaît. Moi, on le connaît avec Brigitte, mon épouse. On le connaît depuis longtemps et on l'a vu un peu avant qu'il ne parte, quoi. Et puis après, on a suivi le truc et avec la météo qu'il a eue, c'est quand même incroyable qu'il ait réussi. Puis il aurait pu abandonner plusieurs reprises, quoi. Ben non, il est venu jusqu'au bout. Chapeau, hein, bravo. Hein. Bon, on s'en doutait, hein. Mais quand même, hein, bravo. Hein. Oh la vache. Bon, alors je continue le tour du bateau quand même. Je me demande combien il avait d'aviron en partant. Oui. On dirait que les anciens, on a tous les mêmes casquettes. Voilà. Et combien d'aviron il avait au départ? Je ne sais pas s'il a gardé tous ses avirons. Si, si, il a tout ramené. Il a tout ramené. Il n'a rien cassé. C'était top. Ouais. Même ici, il y a l'antenne radio là, qui a pété. Là. Ouais. Il a un petit bout de sargasse qu'il va me donner à la fin. Là. Ah ouais, d'accord. Hier matin, quand je l'ai récupéré. Encore pire. Ah oui, sans, en débarquant du bateau, tu vois, à Molène, là, il marchait. Il m'a dit, ah bah oui, j'aurais dû t'écouter. Tu acceptes de m'en dire un petit mot? Parce que j'aurais dit luxembourgeoise. Je l'ai jamais vu, Guérec, on va l'enlever. Allez, est-ce que tu veux
On te demande pas de ramer non plus. Non. Oui. On n'est pas de la presse, on veut des photos aussi. Non, j'ai pas. Ouais. Alex, Attendez, ok. Louise, un petit peu. Ah, ok. Bon, il y a le 22 qui est là, c'est ça le plus important. Prends le drapeau, c'est vrai. Prends le drapeau quand même. Et voilà, il y a grand sourire. Et voilà, t'es merveilleux. T'es beau le mannequin, t'es très beau le mannequin. Ouais, je suis pas mal, hein. Ah, je suis pas mal, hein. Tu me fais une photo avec Edouard pour. Ouais, c'est cool, merci. Avec plaisir. Attends, j'ai une photo avec Gigi. Ouais, ouais. Bah, on peut faire une photo de famille, là. La famille, ah ouais, avant. Ah ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Merci pour le tour en mer, c'était très bien. On va faire l'émotion. Ben voilà. Je pense qu'il va être sollicité partout et le téléphone aussi de l'Alaska. Pour moi, c'est l'histoire d'un mec exceptionnel, parce que personne ne demande à qui que ce soit de faire ça. Lui, il décide de faire ça. Non seulement il fait à l'aller, mais il